T'es là? Ah bah oui, t'es là. Coucou, bonjour les amis. Les ventes flash ont commencé. Je pense qu'il y a pas mal de prix sympas sur le site et également en magasin. Chez nous, les prix sont identiques en magasin et sur le site, et vice-versa. Et puis, on se retrouve pour notre traditionnel télépêche. On a commencé la semaine dernière. Les clients étaient plutôt sympas. J'ai eu des bons retours. Donc, on continue toutes les semaines. On va se retrouver et puis je vais vous présenter quelques produits. Voilà. Allez, on commence pour nos amis carpistes. On a sélectionné chez Okuma un moulinet spécial Spod, 4 roulements à billes, dont un sur le galet. Et c'est vraiment agréable parce qu'il est vendu déjà garni de tresses, une tresse en 20 livres. Et vous avez 1,07 m exactement de récupération autour de manivelle, un enroulement de la tresse, là pour le coup, très régulier. Et puis pour les gens qui ne sont pas équipés, je crois que c'est le moment de se faire plaisir parce que ça c'est un moulinet qui est vraiment accessible et très costaud. Je vous mets le prix là et vous constaterez que c'est un prix spécial vente flash. Voilà, ça dure 10 jours. N'hésitez pas à en profiter si vous avez des besoins. Et vraiment, Okuma, c'est une super marque. Je continue avec Okuma. Gros carton à la pêche du feeder. On vous fera une petite vidéo tuto bientôt. Parce que c'est agréable, c'est une pêche rapide. Et puis moi, j'ai investi cette année. J'ai trouvé un top moulinet chez Okuma. Un moulinet débrayable. Donc là, vous pouvez régler derrière la résistance du débrayage. Il se renclenche avec un demi-tour de manivelle et le frein est devant. Alors, je ne l'ai pas garni, mais moi, pour les avoir, ces moulinets-là, je vous garantis que l'enroulement du fil est très régulier. Un moulinet de roulement à billes, mais costaud, pas de souci. Moi, j'ai pris des belles petites carpes avec. En capacité, il va jusqu'à 195 mètres de 35. Donc là, c'est aussi un moulinet que vous pouvez utiliser pour la pêche de la carpe à mettre sur des cannes 10 pieds ou des 12 pieds pas trop puissantes pour pêcher des petits étangs, des petits cours d'eau ou alors des pêches rapides. Voilà, un moulinet polyvalent, très costaud, débrayable. Réglage du débrayage ici. Vous pouvez aussi l'utiliser pour la pêche des carnassiers. Il y en a qui pêchent opposé le carnassier. Et là, vous voyez que débrayé au maximum, il n'y a pas de résistance. Vous pouvez régler comme vous le désirez. Et je tac, dès que vous avez une touche, je sais pas si on va voir, je tac, ça se renclenche. Voilà, un super moulinet. Et je vous mets le prix là. Vous voyez, c'est très très sympa. Multi-usage, feeder, carpe, on va dire carpe légère, carnassier. Très, très, très simple. Ah, voilà. Alors, je vous parle souvent de field fishing pour les pêcheurs au feeder. Là, on vous a fait une promo pour les ventes flash de 30% sur toute la gamme. Si vous voulez découvrir cette marque, c'est vraiment le moment. Je vais pas mettre tous les prix. Je vais vous mettre bien la marque. Vous tapez field fishing sur le site et vous avez tous les produits de cette gamme. Les pêcheurs en magasin, les pêcheurs qui viennent dans la boutique sont vraiment ravis du rapport qualité-prix. Là, je vous fais un petit zoom sur un méthode. Voilà. Et c'est vraiment, vraiment très bien fini. Et là, les prix par rapport à leurs concurrents sont vraiment très sympas. Voilà. Deux types de méthodes. N'hésitez pas, ça existe en 20, 30, 40 et 50 grammes. Et puis là, vous avez le moule. Le moule, oui, voilà. Stac. Bon, vous connaissez le principe. Vous mettez votre pelée ici. Stac. Le méthode. Et après, tout vient s'agglomérer. Voilà. Mais là, on a des petites vidéos tuto pêche qu'on vous présentera dans les semaines qui viennent. Voilà. Allez voir Field Fishing. Essayez si vous êtes pêcheur au feeder. Vous verrez, vous serez agréablement surpris. Voilà. Alors, voilà pour ces trois produits.
Alors, présenter une canoku, c'est pas facile, c'est une première pour moi. Donc, je l'ai prémontée. Et la Power Pool de chez Cresta, c'est vraiment une super canne. C'est une canne qui fait 790 grammes pour... 890 grammes pour 11,50 m. Carbone, hein, bien sûr. Et puis, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Bon, ce qui est très sympa sur cette canne, c'est qu'elle est à la fois carpe, mais carpe pas pour pêcher en 35 direct, quoi. C'est pour des carpes jusqu'à 7, 8, 10 kilos maxi, quoi. On ne vend pas cette canne pour des pêches fortes, hein, en carpodrome. Elle est équipée pour avoir un montage tripin, on peut vous livrer aussi la canne montée. Il y a un petit supplément à payer, mais on le fait en magasin avant d'expédier le colis. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup sur cette canne, c'est qu'elle peut être mixte. Vous pouvez aussi vous en servir pour le blanc. Donc là, il suffit de rajouter un petit sillon creux ici, ou même mettre un élastique en dessous de deux pour aller pêcher le blanc ou les grosses barèmes. Et puis, vraiment, elle est très rigide. Je vais passer un peu derrière moi, je ne sais pas si on va pouvoir le montrer au client. Voilà. Là, on est à 11 mètres. Hein, pour la passer en 11,50, elle est avec un petit talon. Hop. On n'a pas peur, c'est des cannes costauds. Je ne sais pas si les gens vont se rendre compte. Mais c'est une canne qui a une bonne rigidité, bonne réponse au ferrage et qui a l'avantage d'être polyvalent. Voilà. Pour les pêcheurs passionnés par le coup, ils peuvent à la fois s'en servir pour des pêches au blanc un peu fortes. Hein. Bien sûr, ce n'est pas une canne pour aller pêcher à la blette à longue distance. Mais si vous avez des pêches de gros gardons, des pêches de brème, ça, c'est un modèle qui répondra parfaitement. Et puis, vous pouvez aussi aller vous amuser en carpodrome. Hein. Il n'y a pas que des carpodromes où il y a des poissons de 20 kg. Il y a un peu toute taille. Et là, sur des carpes de 5, 6 kg, c'est un vrai plaisir. Voilà. Puis c'est costaud parce que moi, je la manipule et je ne l'ai encore pas cassé. Ouais, très rigide. Donc elle est vendue avec... Elle est vendue avec son tube de protection pour la canne. Elle est vendue avec un kit supplémentaire qui est également monté avec un stripper. Voilà. Et puis le protège-tube et le protège-talon. La rallonge de 50 cm, plus une housse. Voilà, Cresta. Ça, c'est pareil. Vous voulez vous faire plaisir avec une belle canoku d'un super rapport qualité-prix. Ne vous privez pas. Je ne sais pas où je peux, c'est là. Voilà, je vous mets le prix là. Vraiment très sympa comme canne. Bon, on va ranger un peu tout ça. Je vous retrouve dans 3 secondes pour vous présenter les deux autres produits qu'on vous a sélectionnés. Florian, il me dit on est déjà à 9 minutes. Allez, j'aime bien causer. Et puis les pêcheurs, ils sont patients, hein, Ti. Voilà, belle petite housse pour cette canne. Bon, on va faire attention, on va la faire tomber. Alors, prochain produit, merci ProWesh. Hein, une magnifique canne, manche en liège. Pour mouliner à vis. Alors, anneau en SIC, hein, pas Fujisic, mais du SIC, donc vous pouvez pêcher aussi avec de la tresse. Voilà. Et 12 pieds, 3 livres et demi, ça correspond à toutes les typologies de pêche. Une canne costaud. Le SAV de chez ProWesh, il est au top. Notre ami Willy, il est vraiment pas regardant. Voilà. Et puis, ben, rien de pire pour une canne. Hein. Voilà. Et c'est costaud. Voilà. Une canne fiable. Je mets le prix là. Moins de 40 euros.
Vous voulez commencer à pêcher de la carpe ou faire plaisir avec des belles cannes, profitez-en. Hop. Alors là, c'est la période où les professionnels de la pêche reçoivent les fournisseurs. Et je constate, malheureusement, qu'on a de grosses augmentations sur ce type de produits, sur les cradles. Moi, j'avais un petit peu anticipé, j'avais pris pas mal de stock. Mais la saison prochaine, c'est pas pour inciter à la vente, mais en même temps c'est un téléachat, enfin un télépêche. Mais là, si vous avez des besoins en cradle, que ce soit pour la pêche en carpodrome ou pour nos amis carpistes, pensez à investir. Il y a vraiment des augmentations assez fortes et malheureusement, je ne pense pas chez nous ou ailleurs qu'on puisse, pour ce type de produit, vous proposer ce type de prix. Voilà. Donc là, encore merci ProWes, un beau cradle, l'Incilia. Donc là, vous avez une bâche pour protéger le poisson hein, s'il bouge. Là, une évacuation d'eau. Il est costaud. Il n'est pas encombrant. Il est vendu sans housse. Hein. Il est vendu comme ça. Là, vous avez des clips pour le serrer de chaque côté. Et après, la petite astuce au montage, il faut que les deux tubes se rejoignent pour lui donner sa rigidité. Voilà. Un super produit. J'ai encore baissé un petit peu le prix, mais pour que ce soit dans les ventes flash. Mais je ne sais pas faire mieux. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt pour un prochain télépêche. Même à la semaine prochaine. Ciao, bon week-end.